Bonjour et bienvenue sur la chaîne Je m'éclate, c'est Licat et Madame pour une partie de Hero Realms avec les nouveaux héros. Donc on a choisi le guerrier contre le sorcier cette fois-ci. Donc le guerrier à 60, le sorcier à 50. Je mets là pour que tout soit vu et que ça soit plus pratique aussi. Oh, mais souvent je fais bouger la carte. En fait, après, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un des 10 pour faire les unités, si tu préfères. Mais bon, on verra la partie d'après, je t'expliquerai. Allez, tu peux mélanger ton paquet. On va faire celui qui commence. Mais c'est pas le des 10 que je bouge, c'est le... Oui, bah tu peux le mettre sur les unités et tu bouges de 0 à... Ah, bah, ça serait mieux parce que... Attends, parce que là, je n'avais pas mélangé... Des fois, allez, celui qui le papier commence. Bon, c'est moi qui commence. Allez. Donc, je vais mettre ma pioche ici. 1, 2, 3. Ah, on n'a pas fait le marché, madame. Non. 3, 4 et 5. Alors, pour 3... Je vais prendre ça et ça. Ah bah, et ça. T'as pris quoi les... Oh, ça y est. Ça, oh, les deux défauts. Oh, ouais. Me faire arnaquer encore. Ça y est, ça commence. Bon. 3 dégâts, 3 pièces. Hop là. Alors, j'ai mon petit garde. J'ai ça. 5 dégâts. Et j'ai 3 pièces. Je vais prendre celle-ci. C'est super. Alors. Pourquoi je sens que j'ai déjà perdu celle-là. 1, 2, 3, potentiellement 4. Forcément, il n'y a rien. Si, il y a la pièce, il y a ça là. Ouais, mais c'est tout. Oui, enfin, c'est pas mal quoi. C'est pareil. 2 dégâts. Alors, 2 dégâts, 55. Ah non, ça fait rien du tout. Pourquoi? J'ai mon bouclier. Ah, super. Alors, je peux pas sacrifier. 4 dégâts, j'ai mon chat. Oui. Alors j'ai 4 pièces, donc je vais prendre une ici et 3 ici, voilà. Alors, 4 dégâts. Oui. Je crois que j'étais à 57. Hein. Alors, 2. Je peux là, mais ça m'en coûte 1 de moins. Mmh. Donc, il me reste 3, c'est ça? 3, 3, 3, 3, je peux la mettre dessus. Deux. C'est pas ma capacité. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure? Je me souviens même plus.
Bon, je vais activer ma capacité. Pour 2. Je perds un point de dégâts. Je pioche une carte. Ah bah non, vite, non. C'est celle que je viens d'acheter. J'ai pas le droit de la mettre, de la piocher tout de suite. Hein. Bah si. Pourquoi ? Bah si. Ah, je peux acheter. Si tu le fais dans l'ordre, oui. Je peux acheter oui. Et après. Oui. Ah d'accord. Bon. Alors, 3, 4, 5. Pourquoi 5 ? Ah, point de vie. Ouais. Et du coup, j'ai droit à 2 pièces encore. Bon, bah, du coup, je prends ça. Ah, on peut, une fois qu'on a acheté, on peut faire. On peut faire dans le désordre. Je croyais qu'une fois qu'on achetait les cartes, c'était fini. Non, non. Non ? Ok. Alors, je te fais. Alors, d'abord, j'utilise ma capacité. Je te fais 8 dégâts, je tue tes deux champions. Merci. Et je prends combien dans la tronche ? Et ensuite, 10, et tu défausses 2 cartes. Et j'ai 5, je prends le loup terrifiant. Et je défausse 2 cartes ? Oui. Bon, bah, pour 3, je prends. Voilà, j'ai fini. Youpi. Je vais me faire rétamer. Moi, j'avoue que j'ai de la chance au tirage. Oui. Bah oui. Au début. Les deux qui font défausser d'un coup. Il y en a plus, je crois, après, c'est ça ? Je sais plus. Je crois pas. Puis après, tu vas prendre que du vert. Hein. Alors, je te fais 3 et 3, 6 et 2, 8. Et du coup, comme j'ai, je pioche une carte, j'ai 4. Je vais prendre 2. Et pour 2 de plus, j'active ma compétence, je te refais 2 dégâts. Je vais vraiment pas faire long feu, quoi. Alors. 4 et 5. 2, 4, 5. 2, 3, 4. Alors, 4 dégâts ? Ouais. 52. C'est bon ? Donc, tu avais combien de pièces à acheter ? 4. D'accord. Alors, j'ai un champion. Et ensuite, j'ai éventuellement 5 ou 6 pièces. Je vais pas te faire de dégâts ce tour-ci. Du coup, pour 6 pièces, je vais prendre le drain de vie. Qui vaut 6. Ouf, 8 pièces. J'ai 2 actions, je peux piocher une carte. Grâce à ton bâton de feu. Hein. Ouais. Oula. Alors. Ça... Donc je peux mettre 2 cartes. Ça veut dire que je peux faire et celle-là, oui. La prochaine, oui. Et 2 cartes oui. Dessus. Oui. Alors, j'ai 7 et 4, 11. 11 dégâts, c'est ça ? 12. 12 et je vais sacrifier celle-là. Donc ça fait 15. 14 dégâts. 12 et 3, ça fait 15. Jusqu'à... C'est pas une science exacte, mais je défausse celle-là du coup. Oui. Donc il reste 11 dégâts. Je tombe à 41. Alors 2, 4, 3, 7. Alors 3 plus 1. 3, 8.
3, 4, 5, d'accord. 32. 2, 4, 6, 8 et 3, 11. 12 si je choisis de... Alors, je peux acheter celle-là, la mettre sur mon paquet et activer ma capacité ? C'est-à-dire ? Ben, j'ai 2, 4, 6, 7, 8 et 3, 11, 12. Oui. Bon, si j'achète celle-là pour 8, je peux mettre la prochaine carte que je fais l'acquisition par-dessus. Oui. Donc, j'ai le droit d'activer ma capacité après et de la poser. Alors, puisque tu as dit que tu as tout à l'heure... Oui, mais tu vas dépenser 2 pièces, oui. Ouais, d'accord. Alors... Je vais prendre celle-là. Pour 8. Tu me mets le doute là. Ça me semble bizarre, mais bon. 6, 8. Et du coup. Alors. 4, 6, 8. Ça c'est bon. Du coup, il me reste 3, 4 points si je veux. Je reprends un point de vie avec mon chat. Et donc, j'active ma capacité. Donc, je repère un point de vie avec ça. Et du coup, ça. À n'importe quel moment, durant votre phase principale, vous pouvez exécuter une des actions suivantes dans n'importe quel ordre, autant de fois que vous le pouvez. Jouer une carte depuis votre main, jouer les capacités activées alliées ou sacrifiées de n'importe quelle des cartes, utiliser l'or pour acquérir de nouvelles cartes et utiliser le combat pour attaquer un adversaire dans n'importe quel ordre. C'est bien ça. Donc j'ai le droit de reprendre un point pour le champion que j'ai. Que tu as installé, oui. Ouais. Plus 6, 39. 5 dégâts, piocher une carte. Tu me fais 5 de plus, c'est ça ? Ouais. Alors, attends, celle-là, j'ai pris un. J'ai pris 10 pièces en tout, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Donc, il me reste 3 pièces si je veux, on est d'accord. Là, t'as pris 8, un... hein. Là, j'ai pris un point de. Oui, t'avais pris de... 8, hein. Oui. Oui, mais comme j'ai mis celle-là, j'ai une pièce supplémentaire qui m'a fait piocher une carte. Oui, t'avais combien en tout ? Eh ben, 2, 4, 6, 8, et 2, 10, ça fait 13. J'ai pris 8, plus 2 de la capacité, ça fait 10. Il te reste 3. Il me reste 3, oui. D'accord. Ah, ça change tout. Et du coup, je jette celle-là parce que... Oui, tu l'as sacrifiée. Oui. Alors, j'ai ça. J'ai ça et j'ai en tout alors 5 et 4, 9 et 7, 16. Donc si c'est des 8 et 5, je te fais tout péter. Ouais. Et 3 de plus, du coup, c'est ça ? Oh, c'est bon. 3 et alors 5 et 4, 9 et 7, 16. Je t'ai enlevé 13. Donc 3. C'est 3, c'est ça. Et pour 2, je vais prendre lui. Il faut que je me défausse d'une carte. Ouais, et je peux défausser une carte de ma défausse. Sacrifier une carte de ma défausse, je vais sacrifier une pièce. Voilà. Prochaine action dont vous faites l'acquisition vous coûte un de moins. Donc celle-là est gratuite. J'active ma capacité. Super. Donc il te reste 2 pièces.
Alors. Et celle-ci. Tu te défausses d'une carte, du coup. J'utilise deux pièces pour faire deux dégâts de plus. Ça fait 2 et 5 et 7. Du coup, je peux activer ma capa et piocher une carte. 7 dégâts ? Attends, parce qu'il y a 7 et 5. 7 et 5, 12, 14, 16. 16 ? Oui. Donc ça fait 13. Et pour 1, ben, je peux rien... Ah si, non, oui, je peux utiliser elle pour 2, du coup, j'ai ça. Il faut que je me défausse d'une carte, c'est ça ? Oui. Bon, pas tant pis pour moi. Alors... Piocher une carte. Si vous avez deux actions en plus en jeu, piocher une carte. Alors, combien de dégâts en tout ? Alors, attends, je fais péter ma capacité. Donc, ça fait bien. Plus 4, 1. 32. Plus 1, ici. Plus 1. Donc, il me reste 7 et 4, 11, 12, 13 et 5. 17. 7. J'ai 2, 4 pièces. Ah. Où est-ce que ça sert ? Je vais activer ma capacité pour 2. Ah non, je pourrais. Non, oui. Je vais prendre ça. Et du coup, je fais un point de dégâts. Ok, c'est bon ? Ouais. J'ai enlevé mon... Ouais, j'ai enlevé le dégât. Alors, j'ai un champion. Ensuite, je t'enlève 11 points de dégâts. Donc, c'est de là. J'ai 5 pièces. 5 pièces. Prends-lui. Ah, j'avais, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. J'ai encore enlevé une pièce de 1. Alors, combien de dégâts ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je dirais 1, 2, 3. 4 et 3, 7, 8, 9, si je veux. Ça fait 7 et 2 pièces, 9. Alors, 3, 4, 5 dégâts, 9 pièces. Tu me fais... 5 dégâts, 9 pièces. J'active ma capacité pour 2. Donc, il te restera 7. Super. Ça fait donc, 8. C'est bon ? Oui.
Alors, t'es pas obligé de tout faire bouger. Alors, j'ai ça et ça. Alors, ça fait que 4 et 5, 7 et 2, 9 et 1, 10, donc 2 et 8. J'ai compté 12, moi. Non ? 4 et 7 et 2, 9 10, et 2. 11 et celui-là. 5, 6, 7, 8 et 4, 12. Ah oui. Ah, c'est mathématique, monsieur. Ouais, ben fais péter tes 12 là-bas, là, mathématiques. Ça fait 10. Ça fait 15. Ensuite, je vais prendre ça. Et je sacrifie encore une pièce. Voilà. Alors, je fais les cartes. Youpi. Je paye 2 pour activer ma capacité. Et je pioche une carte. Youpi, c'est pas ce que j'attendais. Ah si, comme j'ai pas deux actions. Pourquoi j'ai pas deux actions? C'est pas juste. Alors, du coup, ça fait 3, 4, 5. Je t'inflige 6 dégâts. Oui. Oui. 4 et 2. Il me reste 20. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est une carte action, tu me diras. Non, alors, je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Donc, du coup, si la carte action 3, 4, 5. T'as acheté à combien là ? 3, à 4 ? Ouais. Ouais, mais t'as plus de pièces là. 3, 4, 5. La prochaine action vous coûte 1 de moins, donc ça fait que 3. Ouais, il te restait 2 pièces du coup. Donc, j'ai 3, 2 pièces. Ok. T'es bon ? Ouais. Alors, j'ai ça. Les 6 dégâts, c'était là ? J'ai ça. Tu m'as fait. Oui, je les ai comptés déjà. Ouais, je crois. Oui. Oui, puisque j'avais mon héros. Alors, 7 et 5, 12 et 2, 14. Je pioche une carte. J'ai 4 pièces. Je vais prendre lui. Et tu te défausses d'une carte. Bon, je crois que je suis morte. 4, 5. 4. Tu m'affliges 6 dégâts. Bah, allez, allez, finis ton tour quand même. Bah, 2, 4. Ouais. Je prends ça. Ça ne change rien. Ah si, j'aurais pu piocher. Ah bah si. Si tu pouvais jouer comme il faut quand même, ça serait bien. Hein. Alors. Oh là 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 là. 3, 4, 5. Alors, 4 et 4, 8. 4 et 4, 8. Donc je prends ça. Mm-hmm. Ouais, mais tu peux pas. Ah si, tu peux l'activer ça. Ouais. Mais tu me fais des dégâts aussi. Attends, dans l'histoire. Ouais, c'est vrai. Oh là 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 là, c'est pas possible. 4 et 4, 8, je prends ça. Non, fais tes dégâts d'abord, s'il te plaît. Ben non, ça change pas. Que ça oh change. Là 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 là. Fais tes dégâts en premier pour l'instant, s'il te plaît. C'est une action, ça change rien. Oh punaise. Je peux pas la piocher. Pourquoi ? Ah, mais si, je peux pourrais piocher. Ben, c'est une action que je peux mettre sur le deck, pas une carte. Ah, pas un champion, tu veux dire. Non. Bon, déjà, fais tes dégâts. S'il te plaît. Tu me fais 4? Non.
Qu'est-ce que je vais faire? Alors, 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. J'achète ça, je la mets sur mon deck. Voilà, pour ça, on est bon. Après, j'ai 3, 4, 5. Pour 2, j'active ma capacité, je perds 1. Ça, on est d'accord. Bon, pour l'instant, ça fait 10 dégâts. Ouais, il me reste encore 3. Je vais prendre ça. Et du coup, vous pouvez mettre une carte de votre défausse au-dessus de votre deck. Là. Donc pour ça on est bon. Du coup je vais tout sacrifier. Donc 6 et 4, 10, 13, 17. Non mais. Quoi? Tu m'as déjà fait 5. Eh ben moins 17. 12. Ça m'empêche pas de mourir quand même. 8. Oh là là. Bon, voilà, je te fais 7 dégâts. Ouais, je vois. Oui. Mais je me serais bien défendu. Oui, mais bon, si tu pouvais jouer dans l'ordre, ça serait mieux quand même. Ouais, mais je pensais qu'une fois qu'on prenait le marché, c'était fini. En fait, ça change tout le jeu de jouer comme mais ça. Mais on l'a déjà fait, tu t'en souviens non, plus. Non, j'ai jamais joué comme ça, en fait. Ouais. Et jouer dans l'ordre, t'as déjà fait un peu. Mais ouais. Oh, punaise. Allez, on vous dit à bientôt pour la revanche.